Kaleden iniyorum yar 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 yandım. Kaleden iniyorum yar 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 yandım. Çağırsan dönüyorum. Şinanay yarim. Nos professeurs, qui sont tous des artistes, avaient beaucoup de choses à échanger. On s'est dit que ce serait peut-être le moment pour travailler ensemble et faire cette carte blanche qu'on avait toujours souhaité leur proposer. Donc j'ai choisi parmi les professeurs quelques-uns que je pensais qu'ils allaient bien s'entendre autour de la Méditerranée, avec quelques incursions en Suisse et en France sur la route. C'est toujours un voyage bien dans différents espaces, aussi dans le temps et dans notre propre histoire, puisqu'il n'y a pas de peuple qui existe, qui n'a pas été mélangé, qui n'a pas rencontré l'autre, qui ne s'est pas constitué, qui n'a pas développé sa propre culture au contact des autres. Voilà comment cette carte blanche a donné ce spectacle qui s'est appelé Solaria. Quand les Gnawa rencontrent le yodel, quand la Turquie rencontre l'Italie, etc. Et ça, je crois que c'est ce qui a donné la richesse de ce travail. Et aussi de montrer que d'une culture à l'autre, on peut vraiment mélanger, se rencontrer. Et moi, c'est mon leitmotiv, c'est la rencontre. Hein. Donc là, c'est le pari gagné. Sensible à ce spectacle parce que c'est pas un énième spectacle de musique de fusion. Et là, je trouve que ce qui est magnifique, c'est que chacun garde sa culture mais écoute la culture de l'autre. Et ça, c'est ça qui est magnifique. Des amis qui se rencontraient et avaient le plaisir de changer. Toutes les personnes avaient donné quelque chose à l'autre. Parce que la musique, c'est une langue qui s'est comme si oh toutes les langues et c'est une langue qui fait une union de toutes les personnes et c'est très joli. On est en une réalité des Adem et là vous avez vu pendant le spectacle des cultures de danse différentes mais qui à la fin ils se retrouvent ensemble sur un langage commun et en respectant les traditions et les cultures différentes.
je quitte un navire qui est bien chargé et qui, je pense, va continuer de voyager, je l'espère, très longtemps. Et puis en même temps, un soulagement parce que voilà, c'est une chance d'arriver à ce qu'on appelle la retraite. Tout le monde n'y arrive pas et moi, j'y suis arrivée. C'est un peu une bénédiction pour moi d'avoir pu accomplir tout ce parcours.